John Taylor is not only the president of Plastics Europe, he is also the CEO of Borealis, one of the biggest plastics manufacturers in the world. Mein Name ist Bote, ich habe einen Termin mit John Taylor. A wonderful product, wonderful materials. When I think of my childhood, I always think of plastics, but that's also because of definitely because of my grandfather. Mm-hmm. This was drawn by my grandfather. Mm-hmm. And he pointed out the race of the production. He pointed out that it's 5 million tons a year, and this was for him the proof that there's a big future in it. Well, this has continued growing, and if you look at it today in Europe, there's something like about 60 million tons. 60 million tons in Europe, and that's about 25% of the global numbers. Can you imagine life today without plastics? Take an example. Last year was the World Cup, mm-hmm. yeah, for football. Yeah. Can you imagine what it'd been like to have the World Cup without plastics? Well, the ball is made out of leather. The ball would be made out of leather. Yeah, no. It's today made out of plastics, okay. Very sophisticated plastics, mm-hmm. so they can bend them around the corners more. The clothing. What about the clothing? It's also based on plastic materials, nylons, polyamides. Polyesters. Of course. What your grandfather started into is today a very vibrant industry, and it'll continue to be for many years to come. The plastics industry makes 800 billion euros turnover per year. In Europe alone, more than 1 million people earn their living in the plastics industry. Today, every branch of industry is dependent on plastic. Our life cycle is a plastic cycle. Eh bien, Francis, on attend maintenant une action de l'équipe jaune. Ouais, qui ne devrait pas tarder, Jean-Pierre. Hein. Alors que l'on voit maintenant l'équipe rouge qui se prépare et qui va certainement tenter une action. Bon, là, je ne crois pas qu'il soit tout à fait prêt. Hein. Non, quel suspense, quel suspense! Petit tour du côté des bleus. Oui, très très belle concentration. Ah, je crois que c'est parti. Oh oui, oh là là, quel beau geste! Oui, et c'est un doublé pour les rouges. Magnifique lancée de Mego. Quelle classe, quel naturel. Ah, c'est beau, il peut être fier de lui, le concurrent rouge. Hein. Ah oui, et ça enchaîne. Oh oui, double jeté d'emballage pour les jaunes. Alors, comment vont réagir les rouges? Ah oui, même pas un regard pour le Mego. Oh, très joli dédain. Et magnifique lâché pour les bleus. Oh là là, pensez à toutes ces particules de caoutchouc qui vont bientôt décorer nos mers et notre littoral. Ah oui, un geste de toute beauté, en effet. Ah, l'épreuve indoor, qui n'est pas la plus difficile, mais qui est néanmoins quelque peu technique. Tout à fait. Oh, Francis, c'est magnifique ce qu'il a fait là. On revoit le ralenti. Oh, franchement, c'est magnifique, vraiment. Alors, je crois qu'un événement extérieur est en train d'accélérer le cours des oui, choses. Oui, un hein. petit coup de pouce va permettre aux mégots de l'équipe rouge de gagner plus facilement et surtout plus rapidement la mer, où ils pourront ainsi polluer chacun quelques 500 litres d'eau. Cambada de filha da puta, vem trazer lixo pra praia. Aí, ó. Presente de vocês aí, ó. Pra não falar que é mentira, a rede pendurada aí, ó. Ó. Sacador aberto, ó. Os dois sacador aberto aí, ó. Nada de peixe, nada de camarão, só lixo, ó. Cambada de filha da puta.
regardez qu'est-ce qu'il y a dans le filet. Voilà, les sachets, les bidons. Sans interdit. Voilà, les plastiques. Regardez. Voilà. Après avoir raclé le fond de la mer avec leur filet pendant 7 heures, voici ce qu'ils remontent. Regardez, c'est ça la Méditerranée, regardez. Regardez-moi ça. Des déchets, partout, coincés entre les poissons et les mailles du filet. Regardez, cela fait à peine 5 minutes que les pêcheurs ont remonté le filet et ils ont déjà rempli un conteneur entier de déchets toutes sortes. Regardez, il y a un bidon de lessive, des bouteilles de jus d'orange. Et dans la mer Méditerranée, chaque année, c'est 9 millions de tonnes de déchets qui sont rejetés dans la mer. Ça, je ne sais même pas ce que c'est. Des sacs. Une canette. Il y a même un pantalon. C'est lamentable. Un terrain vague sous les vagues. Pourtant, il ne s'agit pas d'une décharge sauvage par 30 mètres de fond. Cette étrange invasion des fonds marins ne s'est pas faite par hasard. Elle a été imaginée par des hommes qui pensaient bien faire. Plus de 30 ans après, cette fabuleuse idée fait tache au fond de la Méditerranée. Dans la baie d'Antibes, entre les îles de Lérins et la plage de Golfe-Juan, on a imaginé la création d'une zone marine protégée et l'installation de récifs artificiels pour attirer les poissons. À l'initiative des pêcheurs professionnels, on a immergé 25 000 pneus usagés. C'était au début des années 80. On l'appelle le 8e continent ou la soupe de plastique. Situé dans le nord-est de l'océan Pacifique et découvert en 1997, il s'étend sur une surface d'environ 3,4 millions de kilomètres carrés, soit près de 6 fois la superficie de la France. Il est peuplé de déchets en tout genre produits par l'activité humaine et de microparticules de plastique. Au cours des 40 dernières années, leur concentration a été multipliée par 100. S'il est dérivant, ce continent est emprisonné par les courants. En effet, ces résidus flottant à la surface s'agglutinent dans le gyre subtropical du Pacifique Nord, un immense vortex. Ils s'amalgament ainsi dans cette zone, point de rencontre de courants océaniques qui s'enroulent sous l'effet de la rotation de la Terre entre les côtes d'Hawaï et de l'Amérique du Nord. 4 autres vortex marins dans lesquels se concentrent des millions de tonnes d'immondices polluent nos océans. Peu émergées, mais épaisses par endroits de plusieurs dizaines de mètres, ces plaques de débris terrestres ont des conséquences écologiques parfois insoupçonnées.
the majority of items that we found on the beaches were everyday consumer items, items that some of us would consider disposable. Right now, I would estimate 700 million tons of plastic in our oceans. Yet, we're accumulating just tons and tons of plastic debris. This one is Korean. You know, it just speaks to the problem. This is a global issue. And the Hawaiian archipelago is the most isolated island chain in the world, and yet we're finding objects that have washed in from far corners of the world. We're all more connected than we realize. There are things that we use and we discard, and we don't ever think about them again, but we should. Because these things will be here long after we leave.